Bon, on poursuit l'aventure. Salut Turbo, ça va? Rien. Ah, ici. Ah. Ah, j'ai déjà fait ça, ok. Ok, j'ai déjà tout fait ça, c'est beau. Les monorails, tu viens en bas? Ça a pas été fait, ça? Et pourtant j'ai fait ça hier, il y a quelque chose qui a pas sauvegardé comme il faut comme ça. À moins que ça s'est fermé puis c'est pas supposé. Parce que l'escalier est à la même place que j'étais. Ouais, j'ai déjà fait ça. La porte s'est... Il y a eu un bug. Ça, je croyais. Il y a eu un bug, j'ai déjà fait ça, l'affaire s'est formée tout seul puis il n'y aurait pas dû. Et là, il y a un escalier là. Est-ce qu'il y a un autre chemin? Non, ok. On doit reprendre l'escalier.
Ça, on a déjà été là. C'est là qu'on arrive, c'est là qu'on a pris le code. On sort d'ici. Donc, il faut monter en haut. Ah, mon oreille. Bon, c'est ça, je voulais. C'est là que je vais y aller. Je sais pas si ça fonctionne, par exemple. C'était hier, ça. Crétin. Ah ah, on l'a eu, je pense. Wouhou! Bon, hier, on avait activé le monorail, là, faut avancer. C'est donc ben beau! Accès aux voies de Tombo refusé. Communication avec l'opérateur de la base le plus proche déconnecté. Veuillez consulter un opérateur à votre arrivée à la base du cratère Venom. Attention, voie de Tombo obstruée. Veuillez changer de voie pour éviter une collision fatale. Je savais pas fallait faire de quoi. Shit. Attention, voie de Tombo obstruée. Veuillez changer de voie pour éviter une collision fatale. Changement de voie effectué. Attention, obstruction détectée. Veuillez changer de voie pour éviter une collision. J'ai appuyé pourtant! Faut te mettre appuyé vite! Attention, voie de Tombo obstruée. Veuillez changer de voie pour éviter une collision fatale. Changement de voie effectué. Appuyez droite tout de suite, je pense que je vais tout de suite, là. Attention, obstruction détectée. Veuillez changer de voie pour éviter une collision fatale. Vitesse Go. Attention, pas d'oxygène. Bon, en plus, pas d'oxygène. Quelque chose qui va pas, là.
Je pense, faut-tu bien que je prends le robot? Ah, je pense que c'est là, ouais, c'est ça, faut que je prends le robot. Je vais même prendre de l'oxygène de nouveau. C'est la petite boîte, je viens d'ouvrir une boîte, putainos. Bon. Ok, ça marche pas, tabarnak. Non, ça c'est de l'oxygène. Bien que la prochaine installation est au bout sur la identité du cratère en l'accession, quel soit le moyen de transport utilisé par Sarah, les traces sur la combinaison indiquent qu'elle a dû finir à pied. Bon, ok. Moi, tout ça, je vois rien. Ah, c'est une invalide. Vas-tu viser? Hostie. Ouvre-toi, bon lieu de merde! Ok, tu te souviens quand tu veux, toi. Oh mon dieu! Merci pour les crottes de caribou! Oh yeah! Va te faire foutre aussi! Ouais, fait vraiment qu'il me mettait un mystère. Quelque chose qui va pas. Ah! Faut qu'il glisse. Ah, je viens de comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fais, innocent. Je vais avoir le temps de crever avant, là, vu que je suis un innocent! Ok. Concentre-toi! Porte devant toi! Toi, cabochon!
T'as plus le mauvais butant, c'est beau. Cabochon point 2. Bon, je vais crever, bon, je me suis trempé d'affaires. Pro cave, comment ça va? Force d'appuyer sur le mauvais bouton, c'est ce qui arrive. Putain. Je viens de comprendre comment faire. Ça arrive, ça arrive. Comment ça va? Des nouvelles de l'équipe des Mac 1 ou de MacArthur? Rien. La communication est coupée. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Les voies n'ont aucun courant non plus. Je sais pas, dépêchons-nous. Nous devons atteindre la station lunaire avec cet hélium avant l'arrivée de MacArthur et des évacués. Séparons-nous. Vous évaluez la situation de ces évacués sur un moyen de réalimenter les systèmes du monorail. Je vais retrouver l'opérateur pour que nous puissions monter à bord et évacuer. Allons-y. Attendez, le voilà. La fenêtre à 6 heures, le centre de contrôle. Je l'ai en visuel. Allez vérifier l'état du train, je m'occupe de ça.
Pendant les événements de l'avant-poste, Copernicus, la seconde unité opérationnelle du projet Outward de MacArthur atteint la base des cratères Reynolds. À son arrivée, il semble qu'ils ne peuvent pas partir de la station du monorail et déconnecter pour des raisons inconnues. Ne pouvant pas communiquer avec la première unité disposant de peu de temps pour accomplir leur mission, ils se séparent pour atteindre leur objectif, enregistré le 22 septembre 2054, la journée de mon anniversaire. Dysfonctionnement est survenu à l'installation de Tombeau. Nous allons vous évacuer vers la station lunaire Copernicus. Le problème, c'est que le train est coincé en gare. Comment peut-on réalimenter les voies? C'est urgent. Que faites-vous ici? Est-ce que vous m'observiez avec ce truc? Vous allez au dôme? À Huygens, tout le monde... Colon, nous sommes ici pour votre sécurité, sur ordre officiel du Conseil lunaire. Surtout les conseils en particulier... J'ai une mauvaise nouvelle. Tout le temps on pourra pas redémarrer. Vous vous en sentez mieux que moi? Non, j'ai juste trouvé un détraqué. Assez avec les énigmes, vieillard. Comment peut-on atteindre la station lunaire au plus vite? Si les trains ne fonctionnent pas, vous allez devoir prendre les scarabées. Ils vous feront traverser. Ah, si vous arrivez à sortir du cratère, les sables sont rudes dehors. J'ai brisé bien des pattes de scarabées en essayant de les traverser. Mais il y a un chemin. Enfin, il y en avait un. Je le connais. Je l'ai emprunté de nombreuses fois. Les rovers. Revenez, j'ai trouvé quelque chose. Apportez le paquet. Piqûre de scorpion, m'a pris ma carte, je suis le seul à savoir où les scarabées traversent. Évac 2 à Évac 1, répondez. Nous devons transporter l'hélium jusqu'à la station lunaire en rover, car nous n'arriverons pas à faire fonctionner le train avant que la MPT soit coupée. Évac 1, répondez, est-ce que vous me recevez? Bon sang. Pourquoi vous riez comme ça? Pour la première fois, je sais tout. Finis les secrets. Et il n'aura fallu qu'un petit interrupteur. Rien que ça depuis le début. Ne l'écoutez pas. Partons d'ici. Je voulais juste voir. Voir ce que vous fabriquiez. Et maintenant, je sais. Rien que pour le carburant, l'hélium 3, billet de sortie. C'est vous qui nous avez coincés ici? Laissez-le, il n'en vaut pas la peine. On doit partir. Il a juste fallu appuyer sur l'interrupteur. Et vous avez fait le reste. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous vous êtes mêlé et de ce que vous avez mis en péril. Avel 30. Faites pas ça. Activez le protocole de contrôle des foules. Non!
J'étais pas trop sûr qu'est-ce que je fasse. Chris, tu peux pas aller plus haut, tabarnak? Ah ouais, il monte, c'est pauvre. Ok, je peux pas aller là. Ben, tabarnak! C'est peut-être pas celui-là, faut jouer en premier, t'sais, il y a peut-être un... La salle est grosse comme mes deux fesses, tabarnan. Ok, on va aller voir là, ouais. Too bad. Ben, il y en a un autre, ouais. C'est l'affaire. Il y a quelque chose de rouge là-bas, mais ça dit de pas y aller tout de suite, on dirait. Oh, tabarnak!
passe rien, celle-là. Non, c'est là-bas. C'est là-bas où je vais. Tabarnak de col. Yes! C'est sûr qu'il y a quelque chose que je vois pas. Tranquille. Speedrun-moi l'anus, ça. Le plancher! J'ai pas regardé le plancher. Il y a là un espace sous la porte. Je m'haïs quand je fais ça. Faut fouiller, des fois, Faut être patient, faut observer. Faut faire attention aux détails. Je commençais à checker le plancher, puis en vérifiant le plancher, je me suis aperçu en même temps que la porte. Je touchais pas à terre. T'es mort là, t'es con, t'es mort là. J'avais oublié ce parti là, c'ti. Caliste. Thank you.
Pas trop vite, c'est pas, tu vas passer par-dessus. Salut au Sadish, comment tu... Ah ouais! Ok, je comprends pas là. Ça va là. Bon, au bout de là, j'ai de l'air mongol à chaque fois là, mais à part ça, ça va là. Bon. Salut Fludic Pillow, comment ça va? Ça va, merci. Bon. Hey, t'es chez Caribou. Quand t'achètes, tu regardes-moi, hein?
Flori Pelo. Bienvenue dans la tribu du Caribou Canadien, mon ami. Ça fait super plaisir de voir là. Oh yeah! Bon, un timer. Ça, j'aime ça, les timers. Yes! Ah ouais, 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 on se dépêche. Je suis tout le temps à l'envers quand je sors de là. Tu viens d'où, mon cher ami? Allez. Comment j'ai avec une minute? Ok! Nouveau-Brunswick. Faut vraiment, j'ai pas grand. J'ai une minute pour monter en haut! Oh, tabarnak! Fallait sauter! Steam, pogne déjà avec un piège! Go fuck yourself! Ta 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 la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 la. Turu turu ta ta la 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 la. Non! Je suis mort. Hey les gars, on vient d'avoir des beaux jeux encore, encore des beaux jeux. Le jeu, oh Stig, on a eu des beaux jeux là. On va avoir du fun aujourd'hui. Deux beaux jeux j'ai eu encore. Un pour sûr que je suis content d'avoir. On a accepté. Ok, il m'a... Oh, nice! Ils m'ont placé dans le noir, la tête en bas, avec leur lush, j'ai commencé, yes sir! Essai numéro 2. Il reste une minute. Parce que le lapin crétin m'a pas dit avant. Il saute. Première mission réussie. Il court vers la gauche, il court vers la droite. Attention, le troisième obstacle est pas loin. Il doit courir, sauter. Il saute, réussi. Il tourne, et là il est rendu sur la poutre. La poutre. Allez, on va essayer de pas se faire poutrer. Ouais, cours. C'est réussi. En cours, un saut magnifique. Oh ouais, c'est réussi. Allez, on monte. Allez, on fait ça comme un pompier. Il reste 34 secondes. Il court. Vingt-deux secondes.
mon Dieu! Once again! Je suis là-dedans! Mais je suis mort pareil? Non! Je ne suis pas mort. Mais je ne suis pas fort. Je suis là! Je suis vivant! Je suis toujours une machine vivante! Oui. Je cours, il n'a rien de bon à se dire. Après la pluie, le beau temps, mais l'orage peut durer longtemps. Tu manques, il a bien des choses à se dire. Après la pluie, le beau temps, mais l'orage peut durer longtemps. Oh, oh, de l'oxygène! De l'oxygène! Mais après la pluie, le beau temps, mais l'orage peut durer longtemps. Attention, pas d'oxygène. 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 Vous ne respirez plus. Vous ne respirez plus. Attention, vous n'avez plus d'oxygène. Tu manques. On a plein de choses à se dire. Évac 2 à Évac 1, répondez. Nous devons transporter l'hélium jusqu'à la station lunaire en rover, car nous n'arriverons pas à faire fonctionner le train avant que la MPT soit coupée. Évac 1, répondez, est-ce que vous me recevez? Bonsoir. Pourquoi vous riez comme ça? Pour la première fois, je sais tout. Finis les secrets. Et il n'aura fallu qu'un petit interrupteur. Rien que ça depuis le début. Ne l'écoutez pas. Partons d'ici. Je voulais juste voir ce que vous fabriquiez. Et maintenant, je sais. Rien que pour le carburant, l'hélium 3, billet de sortie. C'est vous qui nous avez coincés ici. J'ai fait ça tout à l'heure. On doit partir. Il a juste fallu appuyer sur l'interrupteur. Et vous savez... Après la pluie, le beau temps, ta grosse face LED peut durer longtemps. Non, saute pas là, c'est pas j'allais sauter en bas. Ferme les rideaux, tu vois bien Jésus plein d'eau. Regarde-moi pas, parle-moi pas, je pleurais pas si tu parles pas. Tu manques. On a plein de choses à se dire. Après la pluie, le beau temps, ta grosse face peut durer longtemps. Charlie, tu devrais aller te suivre. Hey, vous! Oui, vous! Un
Un dysfonctionnement est survenu. J'ai déjà fait ça. Nous allons vous évacuer vers la station lunaire Copernic. Après la pluie, le beau temps, mais la na. Ouvre les rideaux. 6 jours après la coupure générale, une infirme espoir. Ils ont évacué? Non, c'est impossible. Ils peuvent pas partir comme ça. La colonie va s'effondrer sans eux. Et la Terre? Comment ont-ils pu être aussi égoïstes, bon sang? À quoi pensaient-ils? Comment peuvent-ils être si... Attention, réacteur de Tombeau défaillant. Protocole Outward activé. Veuillez évacuer toutes les installations. Oui, je sais qu'ils ont évacué. Je sais! Je sais que je suis seule. Waouh. Capacité du réacteur de Tombeau, 10%. Il fonctionne encore? Alex, on doit y aller. C'est... Ça pourrait tout arranger. On pourrait réparer tout ça. On peut le faire. Bon. Il te suffit de suivre les voies le long des tours. Tu vas atteindre ton beau. Tu vas y arriver, Sarah. Je suis en chemin, Sarah. Je vais vous trouver. Et Rolf. Après la pluie, le beau temps, mais l'orage pour durer longtemps. Après la pluie, le bon temps, et l'orage plus durer longtemps. C'est la planète Terre qu'on voyait, hein. Normalement, c'est la Lune qu'on a tant l'idée qu'on voit, mais c'est la planète Terre qu'on voyait au loin. De la Lune. Oh, les rideaux, tu vois bien j'ai yeux pleins d'eau. Contrôle au sol à Fortuna One. Je sais pas si vous êtes encore là. Les tempêtes de sable se sont aggravées. La situation ne fait qu'empirer. La solution se trouve forcément à Tombeau. Je sais pas s'il s'agit du réacteur ou du transmetteur MPT en lui-même. Je peux pas dire. Mais nous avons atteint nos limites, Rolf. Une bonne nouvelle ne nous ferait pas de mal. Là, nous sommes sur la Lune. J'aimerais pouvoir vous aider. Mais on voyait la Terre dans le ciel. Ah, y a pas de piton, il freine pas, c'est...
Veuillez faire preuve de prudence lors de votre voyage. J'imagine c'est le plafond, je regardais pas encore. Non. Moi j'ai le temps de t'en prendre des niaiseries. Bon, on va cliquer là-dessus, si. Nous avons atteint le second point de sauvegarde. On sait ici que notre aventure se termine pour aujourd'hui. Délivrez-nous la lune ou donnez-nous la fortune.